1998 na kupanda juu kama bako hapa batie mikono juu tuone bajeni de 1998 à aujourd'hui je vois finalement que c'est toute la foule. Mais avant de dire pourquoi mimi nasema bajeni baweze kuleve mikono yabo, nitawatolea pole sana. Pole kwa yote ambayo inapitikana katika province ya Nord Kivu. Pole kwa mambo iliyopitikana hapa Goma na waza le 30 septembre. Pole kwa mauaji yote, pole kwa yote. Sasa kama niliuliza bajene kama bako hapa, c'est parce que nilipenda nibapigie ka histoire kidogo juu ya hali ya province ya Nord Kivu. Hawa mamasale wako hapa yulu bale mnajua banatokea wapi. Nimepigia hadisi bale batu banatoka mbali sana. Hii Nord Kivu ni province ambayo ilifatiliwa kusudi iweze kugabuliwa depuis 1998. Ukakuwa ba RCD, ukakuwa ba CNDP, ukazaliwa ba M23 na novembre 2013 tukawapiga. Muko ba témoin. Mie mwenyewe nikaenda Chanzu tukawapiga, bakarudi vijijini, mambo ikaisha. Ile histoire ba jeune mingi kati yenu abaijue. 2019 wakati Félix Antoine Tshisekedi aliweza kukamata pouvoir, akasema eh bwana mimi napenda amani ndani ya region de Grand Lac. Akaitana na ndugu yake wa hapa ngambo hapo, tunamfahamia hiyo, mtakuwa namuita Ndeko Paul. Akasema Ndeko Paul, tufanye amani pamoja ili ya kujenga region yetu ya Grand Lac. Bakasinye maako Rwanda ikaanza fika Kinshasa, ikafika Lubumbashi, bakasinye maako purke na maizini ya kutransforme makolta na maho tufanye pamoja. Nikasema ba huu njomu ya tuko nasinye nae anayama kutribule batu tobola na mungu nye takwaka tute mwen. Quelques mois plus tard, président Félix a signé le président Museveni pour kutengeneza barabara ya kutoka Bunagana kupita Ruchuru kufika hapa Goma, route asphaltée. A signé ingine accord ya kutosha barabara Kasindi, Beni, Butembo na plus tard turelie Butembo na Goma. Wakati hapa ngambo baliona ke barabara inataka pita ya Bunagana, Ruchuru, Goma na vile pale kujomba ndo huko magorie, na shie tuko na 80% ya magorie za hapa Mugran Lak. Bakasema basi ni kusema franke naanguka kumufuku. Kama hii barabara inapita, hatuta pitaka tena Chanika na magorie zetu azitapataka tena nini kwa turisti. Tobola. Na njoo akasema eh bwana, nikaachia Felix hii projet ya kufanya barabara ya kutoka Bunagana Ruchuru na Goma, mimi nakufa. Akafufula tena kale kabidu wake yenye mnajua hapa kapo hapa yulu ka M23. Makofi. Wakati alikafufuna, akisha kafufuna seme basi hivi nji ikapita, muende mchokoze ule mtu asipate namna ya kuweza kujiorganize.
nazo président aka comprendre que tout qu'on a shida ya jeshi na akafanya appel général kusema hivi tuko na shida ya jeshi bajene mukuye muingie ndani ya jeshi na leo nitawahakikishia kwamba tumefikisha 40 000 militaires benye bamekuwa formé juu ya kuweza kumaliza shida za hapa Mugrala. Pourquoi mina revenir kwa ile histoire? Parce que balishaka kuonea hii région sana. Félix akasema shida ya Congo ni jeshi. Du inchi ya Rwanda yote iko na 33 000 militaires. Akasema hivi baisha kuwa na zoea hapa, wacha ni formé sasa. Tuko na 40 000 militaires mena. Iko napanga kuorganize na nataka pass out. Yaani kubatosha msanti ili tufike sasa tuangalie vile ya kumaliza mashida zote za hapo. Na njo le 14 novembre. Le 14 ilikuwa wakati alifanya discours ile tarde la nation le 14 novembre. Akapose question. Sasa bakongomani tunapenda tuanze a zero ama tuweze kukonsolide ile yenyewe tumewaza kufanya. Ile njote question zenyewe itakuwa objet ya mitingi yangu kumexplike. Kuanza a zero ama kuendelesha kazi kidogo kidogo zenye tumeweza kufanya. Kesi nyifi, commencer a zero ou alors consolider les acquis. Voilà le thème ya meeting yetu ya leo hata kama mvuli na nyesha. Depuis 1960 yenyeo tumeweza kufanya katika gouvernement Fati. La première grande chose hata kama bato abako wanaisema c'est ce qu'il a appelé la gratuité de l'enseignement primaire, le début de la gratuité. Le début de la gratuité de l'enseignement primaire. Peut-être tout quoi à Goma, à tout sentir, que signifie le début de la gratuité de l'enseignement. Mais au cas dans mon village, papa m'a dit qu'on a dit pas $50. Il qu'on a battu au site, ça vous fait $300. Banasema tangu leo bale batoto sita yako habataweza tena kulipa. Vuku mezire l'importance de ile mesure ya kusema kuko gratuité ya enseignement ku école primaire. Kisha kasema vile tunaanza wakati tutaendelea tutahamia ku école secondaire pour que dans les années qui suivent tukisha kureisir première expérience, il y a gratuité et enseignement primaire, tout n'a mis à pour secondaire. Mais avant d'y arriver, combien d'enfants baignent balikuaka havaenda ke kumasomo, baignent mamenda kumasomo joue à gratuité. Comme on joue les chiffres de 2019 à aujourd'hui. Nous avons 6 millions de nouveaux enfants qui n'allaient pas à l'école et qui vont me reprendre le chemin de l'école. Chandelier Fatime 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 Fatime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, il y a 5 millions d'habitants. Donc Fatime à me permettre population ya sawa Congo Brazzaville et ni quoi yende ko masomo yende ko masomo aiko akushangilia ule ndio shangilia pepea. Deuxième mesure anasema wakati tutareisir kufanya ile kitu tunafanya nini? Tunavokia kwa école secondaire I ma $200, ma $300, ma $400, yote na mai. Wow. Kila mtu anaenda kumasomo à l'école secondaire sans payer un seul franc. Ni mubaya ni mzuri. Ni mzuri. Alors, anasema Julien Paluku nilikupatia ministère ya industrie.
Uko déjà leo zone économique spéciale, projet de batterie électrique, ainsi de suite, zone Auku, Sidubangi, Katanga, Mbujimai, etc. Non. Il m'a dit tout, tu n'as pas à coïndeler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas à l'indépendance politique en 1960, à la Kinyenina Tokosea, ni indépendance économique. Yani tungale tunadepandre ikuwe hapa Goma, ikuwe wapi, ikuwe Butembo, kila kitu inatoka nje. Na njoo ona franka zetu za hapa, dolari zetu za hapa tunazibeba nje kwenda kuarishiri bengine, kukreye makazi zengine, c'est ce qui crée la faiblesse de notre monnaie. Anasema non, à partir de maintenant Nous devons stimuler la production locale. Et c'est à travers le ministère de l'Industrie. Et donc, beaucoup de choses ont été faites au niveau de l'enseignement, au niveau d'autres secteurs. Il dit, est-ce que tous ces projets qui ont commencé, nous devons retourner à zéro ou consolider les acquis? Vous comprenez ce qu'il y a? Il est déjà première explication, il y a soit on commence à zéro, soit on consolide les acquis. Deuxième explication, Fachi Anase Maïvi, Nye Batoto Yakivu, depuis 1960, surtout Nord Kivu Apa, Amouya Pataka, ni président de l'Assemblée nationale, ni premier ministre, Ni. Alors la question, c'est qui? Ça. Nié Félix Antoine Tshisekedi. Ni kona mandat yangu ya 5 ans. Napenda niongeze mandat ya 5 ans nipate 10 ans. Ndio. Pour que le projet tourne pas ne passe, oui, l'espace est rien, pataka ta siku moya nayo mkubwa wa nchi. Shangilia. Muzuri Fachide Ni muzuri kwa sababu Fachia nasema hili banduku haiko mambo ya tribalism. Me kila espace inapaswa kuexperimente vile itaongoza inchi. Ndiyo. 1960-65 président Kasavubu, anatokea wapi? Côté à Congo central. 1965-1997, Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga, 32 ans. 1997-2001, Laurent Désiré Kabila. 2001-2019, Joseph Kabila. Total 4 plus 18, 22 ans. 2019-2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kasai. 2023-2028, Anasema Félix Antoine Tshisekedi, Kasai. Maintenant, tuanze à zéro, ama tu consolider les acquis. Voilà la question. Tu consolider. Parce qu'Anasema Ivi. Ba Congo, balishaka géré. Dio. Équateur, 32 ans, balishaka géré. Dio. Katanga, 22 ans, balishaka géré. Dio. Kasai, batafanya 10 ans, bana géré. Dio. Kisha nasema, Sud Kivu, Nord Kivu, province orientale. Sasa nyie. Mbomu takuwaka na shindikiza katu bengini na nyie amwezi shindikiziwa. Sincho. Tunasikilizana. Sasa kama tunapenda, president anasema hivi, tuanze a zero, c'est-à-dire nyie hivi hamutaki tena tufanye 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que nyie hamupendi pouvoir. Munapenda pouvoir, hamupendi pouvoir. Tunaipenda. Bangapi wanapenda pouvoir? Batie mikono juu. Sisi hawa. Sasa
Tuanze a zero, tuchunge 10 ans, 15 ans, 20 ans, ama tu consolider les acquis na Chine, Sud Kivu, Nord Kivu, na province orientale, tu jiratarishi. Mubaya, muzuri. Muzuri! Voilà l'explication de faut-il commencer à zéro ou consolider les acquis. Et donc, il y a partagé le message Léo, Wasababu tout condamné à campagne. Et le message clair, c'est de dire, Julien Paluku est passé par ici. Julien Paluku, chef de quartier à Paku Verunga, avec Mzee Vaikeri à Chakotouachi. Julien Paluku, administrateur de territoire assistant Lubero. Julien Paluku, administrateur titulaire Lubero. Julien Paluku, maire de ville Boutem. Julien Paluku, maire de ville Beni. Julien Paluku, gouverneur 12 ans. Julien Paluku, ministre 4 ans. Mubaya Muzuri. Muzuri, les bâtisseurs de Goma. Mubaya Muzuri. Muzuri. Na Félix Kassema Ewan. Huyu mtu mwenye kwa hii experience, wacha nimulete pamoja, karibu yangu. Eske, mulikuwaka munajua ministeri ya industry, au hapana? Hapana, atuwechuwaka. Sasa leo, ministeri ya industry, inafanya fierte ya watoto ya Nord Kivu ama hapana? Dio! Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Félix Tshisekedi a honoré les enfants du Nord Kivu. Dio! Nous avons un. Mitaanza kwenye baba na miaka. Musa Nyamwisi, ministre de l'intégration régionale. Dio! Deux. Désiré Birianze, ministre de petites et moyennes entreprises. Trois. Mwino Nzangi Butondo, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Tobola. 4. Furaha Katungu, ministre de la culture et art. Mama. 5. Yemé Julien Paluku. Bale bote. Makofi, makofi. Pepea, ni muzuri. Na mukaona bale batoto yote ya Nord Kivu kwenyewe bako napata kazi. Kila mtu iko na jidistingue kwenyewe iko. Banachapa. Pour montrer effectivement que le Nord Kivu regorge de potentialité benyewe banaweza kusaidia hii inchi. Voilà pourquoi je suis venu lancer la campagne de l'alliance Bloc 50 pour dire la seule personne aujourd'hui qui nous montre les signaux ya kuonesha ya kwamba inchi iko inatoka petit à petit nani ya hali yenyewe kuwa ndani c'est le candidat numéro 20. Ceux qui sont d'accord avec moi, mon ami, les mikono coule. Le candidat numéro 20, Fatidi. Fati! 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 Il message, mina il est à Goma, il est valable Walikale. Dio. Il est valable Nyiragongo. Dio. Il est valable Lubero. Dio. Iko valable Butembo. Dio. Iko valable Beniville. Dio. Iko valable Beni territoire. Dio. Iko valable pia na Masisi na Ruchuru hata kama tukungali ndani ya vita. Dio kabisa. Comprenez que le Nord Kivu tuko na 3 millions d'électeurs. 3 millions d'électeurs. Mais tukatia Masisi na Ruchuru tunafika mu 4 millions d'électeurs. Nous sommes la première province la plus peuplée de la République à part la ville de Kinshasa. Toujours changuilier, si on y est. Pepea, coulé, pepea, comme Zuri. Pour partir à Sud Kivu, tout qu'on a 2 800 000 électeurs. Plus 4 millions et tout, tu n'as plus à 6 800 000. Tukatia Ituri, nous avons 2 500 000 électeurs. Bon. Nous sommes à 9 300 000 électeurs. Okay. Tukatia Choko, tunatia Bazuele, tunatia Hotuele, ni 3 millions d'électeurs. Nous sommes à 12 millions d'électeurs. Voilà, Akata espace et tout,
nos 12 millions d'électeurs. Or, Félix Tshisekedi a été élu avec 7 millions de voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Batoto ya Sud Kivu, Maniema, Nord Kivu, Ituri, Choko, Bazuele, Otuele, Chienjo, tunapitishaka président. Iyo. Président iko mu mikono ya hapa. Iyo. Maintenant que tunafika ku uchaguzi, ce que nous vous demandons, c'est de dire, nous accompagnons le président, candidat numéro 20, parce que depuis 1960, on a tout, ma poste Zenyeva n'a pas tiré à Nord Kivu, parce que tout le monde a voté autour d'une personne, ni qui l'a monté dans le sujet à Roumdia Yaki. Oui, on a fait un ministère pour l'année. Il n'y a pas de ça, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais maintenant, lorsque le Sud Kivu, le Nord Kivu, le Maniema, l'Ituri, la Tshopo, le Bazuele, le Otuele, tunajifungia ku Félix Antoine Tshisekedi, il sent que si le président, c'est à cause de nous, ça veut dire que la politique, c'est un jeu d'intérêt. On va dire, monsieur le président, alors, quelle est notre part? C'est ça. Transcrivant. Dio. Nous avons vu que Mungu a la lac. Il Mungu a la lac et a gagné le numéro 39. Tobola. A gagné le Julien, il y a une province qui est stable. Ça, c'est ici à Tchamouka. Donc, à ce moment-là, il y a Tchamouka, allez, Kamata, thermomètre 39. Parce que. Vous sanguinez à quoi? Vous sanguinez à quoi? La province de Tshamouka. Jour 2018, nous avons le numéro 36. C'est-à-dire, nous avons stabilisé. Donc, aux températures normales. Ça, ça allait en ce matin. Et la province de Tshamouka, va la 39. Vous foutez qui la moutou pour la Lubero? Mouignez la taquoua la Kumouka fièvre à moutou de la semaine. Ouyou. Mwenye na pia tena kustabilize province amekuya. Le stabilisateur arrive. Oh. Alors, pourquoi j'évoque ça? C'est pour vous dire, wakati président Félix Tshisekedi anatupatia passe ya kusema, après le Kasai, c'est le Maniema, le Sud Kivu, le Nord Kivu, l'ex-province orientale. La stratégie c'est quoi? La stratégie, c'est de permettre maintenant au leader Kilamutu Kukuya en 2024 avec un panier yenye inaonesha poids politique yake. Dio. Il est poids politique yake ni kusema nini? C'est le nombre de députés nationaux. C'est le nombre de députés provinciaux. Et c'est pourquoi tu l'ijita chier Alliance Bloc 50. Tobola. Ça veut dire quoi? Objectif minimum 50 députés, objectif maximum 100 députés. Ok. La stratégie, c'est de dire si le regroupement avait 50, tu n'as pas ta 100 députés, nous devenons la première force politique de la République démocratique du Congo. La conséquence logique, c'est quoi? Très kamata, non? Dio. A mon père, je te remets que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit. Nata et Kimoya, il vient comme candidat député. Il y a un poste de président de l'Assemblée nationale. Kabis. Si Nata a venu, je vais dire Kamata Moutoua. Je suis député, j'arrive à l'Assemblée nationale avec 100 députés. Je convainc les Nord Kivu, les Sud Kivu, les Maniema, Kinshasa, Katanga, Nakamata Expérience, bon, voilà Julien Manou, administrateur, non, maire, gouverneur, ministre. Candidat président de l'Assemblée nationale. Moubaya Mzuri. Mzuri. Allez, pa, élection, Julien Falouk, président. Allez, première plénière n'a convoqué pas. Deuxième personnalité du pays. Moubaya Mzuri. Mzuri. N'a pas de plénière à Kwanza, honorable député, chers collègues. Nous avons deux points à l'ordre du jour. Premier point, la situation du Nord Kivu. Mais comment?
Deuxième point. Vous voyez comme fan, non? Deuxième point, état de siège. Bio. Voulez-vous lever l'état de siège ou vous voulez qu'il reste? Ah, mais il y a un député. Qui sont pour que l'état de siège y toque? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Pas Marco Cornel. Vous me comprenez? Donc ce sont des choses comme ça qu'on devra exercer demain après demain. Mais pour y arriver, je sais qu'un bourri n'a rien chagrin. Pour y arriver, il faut des députés nationaux. Voilà pourquoi il t'a présenté à Bagoma. Les candidats députés nationaux, Mounipati Ngouvo, pour qu'on y toque avec les quatre sièges de la ville de Goma. Tous les candidats députés nationaux, Moussoko Pembourawan, Moukouyo, Moutakoua Apa, Moutapana Moutribine. Ma candidat, votre candidat député national, Bakoué Moumboula, ça va venir à quoi? Je vais voir ma tribune. Je vais voir ma tribune, je vais voir ma tribune. Je vais voir ma tribune, je vais voir ma tribune. Le candidat député, Moukoué Apa, Mbele, le candidat député national. Les candidats députés nationaux. Voilà. Bote Bakou et tout bote. Et nous allons présenter Mumungini. Niragongo Walikale.